Salut tout le monde, je m'appelle Sky et vous êtes sur ma chaîne YouTube, alors bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 5 sous-titres préférés in French. Et si vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo comme ça. Et si vous voulez le regarder, il faut cliquer ici. Là, oui, vas-y, cliquez-le. Mais aujourd'hui, c'est un mise à jour. Alors, allons-y. Numéro 5 sur la liste, c'est Unité 9. Marie de Montal, elle est une mère de 2 enfants. Elle est condamnée pour tentative de meurtre de son père dans l'Unité 9. Oui, c'était présent. C'est tout à fait comme Orange is the New Black ou Wentworth, si vous le savez. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Alors, vas-y, télécharge. Le numéro 4 sur la liste, c'est Sheriff. J'espère que vous le connaissez. Vous le connaissez? Oh oui, bien sûr, c'est Rachel Castle. J'aime vraiment cette série-là. Et Sheriff, c'est tout à fait très similaire avec Castle. Il y a beaucoup de similarités. Lui, il ne quitte pas jamais le commissariat parce qu'il habite juste en face du commissariat. Bizarre. Il y a aussi la friction entre lui et sa partenaire, Evelyne, comme Castle. Le numéro 3, c'est Candice Renoir. Elle est la mère de 4 enfants et elle apprend son métier de policier après avoir arrêté pour 10 ans à la suite d'une mise en responsabilité. Le numéro 2, les revenants. Dans une petite ville de montagne française, une personne morte réapparaît, vivante et normale. Lorsqu'elle commence à vivre leur vie normalement, il se passe des choses étranges, très étranges. Pour la suite, il faut le regarder. Et maintenant, le numéro 1 qu'on te standard, c'est bien sûr Clem. Moi j'aime Clem. Ça, c'est une histoire de Clem, c'est une fille de 16 ans. Et elle devient maman à l'âge de 16 ans. Et la série tourne autour d'elle, la série tourne autour de ses aventures, ses amis, ses amoureux, tout ça. C'est très bon. Et alors, on est fini. Je vous remercie beaucoup pour avoir vu ma vidéo. Merci et ciao.